D'abord, nous nous associons à toute la population française et au-delà pour la minute de silence. Et sur les sites de l'université, partout, cette minute de silence a lieu. Mais beaucoup ont voulu être au palais universitaire dans cette eau-là, en raison de la charge symbolique qui en est fortement aujourd'hui l'expression, à savoir le souvenir des professeurs et des étudiants martyrs de 1943. Énormément de monde, beaucoup plus que pour d'autres circonstances. Et ce qui est frappant aussi, c'est le silence. Aucun désir de message, une volonté simplement d'être ensemble. Et la minute de silence n'a pas duré une minute, symbolique comme souvent. Je crois que si on ne l'avait pas interrompu, on serait encore ensemble. Il y a eu aussi beaucoup d'étudiants, ce qui montre aussi qu'ils sont pour nous un aiguillon pour que nous soyons aussi dignes de la confiance qu'ils nous font, à savoir qu'on ne se couchera jamais devant quelque obscur individu que ce soit. On est debout et je dirais qu'on est aussi de tout cœur avec les familles éprouvées et surtout nous voulons, par notre travail d'enseignement, de recherche, de culture dans la cité, contribuer à éradiquer autant que faire se peut cette culture de haine et de mort. On dit souvent que les gens qui sont morts vendredi étaient au mauvais endroit. Je dirais non, ils étaient au bon endroit. Un vendredi chez nous, on s'amuse, on est en famille, on va voir des amis, on se cultive. Ce sont les terroristes qui étaient au mauvais endroit.